quand est-ce qu'est née l'idée de s'inspirer des capacités d'adaptation des animaux pour faire des robots? C'est finalement une idée assez vieille qui commençait à prendre forme dans les années 80 dans beaucoup de laboratoires dans le monde, en se disant que d'abord les animaux sont fascinants et on cherche à faire en sorte que des robots soient aussi capables que des animaux, c'est-à-dire aussi agiles. Et une des grandes questions de la robotique dans ce cas-là est de s'intéresser en priorité aux capacités d'adaptation. Il y a 5-6 ans, on s'est intéressé beaucoup plus précisément au cas des dommages mécaniques. Donc que se passe-t-il si un robot, par exemple, a une bras cassée, un membre, quelque chose qui se passe qui n'est pas prévu, qui est suffisamment important pour qu'il nécessite d'adapter son comportement? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des robots soient capables de continuer leur mission dans ces situations-là? Les animaux sont a priori capables de s'en sortir plutôt bien dans ces situations. Donc les animaux ne comprennent pas de manière précise ce qui leur arrivait. Ils ne savent pas savoir si leur tendon est tiré, si l'os est cassé, de quelle manière. Ils n'ont tout simplement pas les moyens de diagnostiquer ça. Et malgré tout, ils peuvent continuer à survivre dans beaucoup de situations. Ils peuvent continuer à survivre avec une jambe en partie cassée, ils peuvent continuer à survivre malgré une cheville foulée. Et on veut que nos robots soient capables de faire la même chose. Donc pas de s'auto-réparer, mais de compenser le dommage pour pouvoir continuer la mission malgré un dommage qui serait handicapant pour le robot. Et une approche classique, c'est de faire en sorte que le robot soit capable de comprendre ce qui est cassé, donc faire un diagnostic, puis de trouver un traitement, donc trouver une manière de réagir au problème. Ça nécessite des grosses ressources. De la même manière qu'un médecin a besoin d'instruments, a besoin de machines pour pouvoir établir son diagnostic, le robot devrait embarquer avec lui l'ensemble des capteurs qui lui permettent de faire son diagnostic. Et ça, ça nous semble irréaliste. Donc dans nos recherches, on cherche à prendre le problème différemment et à faire en sorte que le robot trouve une manière de s'en sortir, donc trouve une manière de continuer sa mission, sans avoir besoin d'avoir une compréhension complète du problème. Et de ne pas chercher à comprendre qu'est-ce qui est cassé exactement, d'où vient le problème, mais à chercher un moyen de compenser en trouvant par essai erreur. Je pense que c'est essentiellement la stratégie qui est utilisée par les animaux. Essayer des choses bien choisies, trouver ce qui marche et se concentrer sur ce qui a l'air de fonctionner. Une des idées importantes de notre recherche, c'est que comme on veut s'adapter très vite en ligne, donc en temps réel sur le robot, c'est très difficile et on va doter le robot de beaucoup de connaissances a priori qui est générée à l'avance sur des gros ordinateurs pendant des semaines. Ce qui permet aux animaux de s'adapter rapidement, c'est qu'ils ont plein de connaissances a priori qui viennent d'abord de l'évolution. Pareil, notre robot a une partie avant la mission ou en simulation, on cherche plein de bons instincts. Donc on s'appuie sur un mécanisme de mutation et de sélection pour pouvoir trouver des bons comportements qui fonctionnent dans cette simulation du robot intact. Donc on est vraiment en train juste de finalement essayer de trouver des bonnes idées sans et pas spécialement d'anticiper qu'est-ce qui pourrait être cassé. Donc le robot peut comprendre assez facilement qu'il est moins efficace parce qu'il mesure sa performance. Donc dans ce type de robot-là, c'est sa vitesse de déplacement. Donc quand la vitesse de déplacement passe de par exemple 1 mètre seconde à 30 cm par seconde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu. On ne cherche pas à identifier ce qui ne fonctionne pas. Par contre, on peut identifier quelque chose n'est pas comme prévu, donc il faut s'adapter. Donc ensuite, il va essayer de s'adapter et donc ça va se baser sur un apprentissage par essai-erreur. Donc ça veut dire qu'il va essayer quelque chose, voir si ça se passe mieux ou moins bien que prévu, et en fonction du résultat de ce test-là, choisir la prochaine chose à tester jusqu'à ce qu'il ait trouvé quelque chose qui fonctionne. Et le grand défi de nos recherches, c'est faire en sorte qu'on teste le moins de choses possible. Donc on teste moins d'une dizaine de comportements différents. Donc ça veut dire que chaque comportement doit à la fois être très différent pour apporter le maximum d'informations et en même temps avoir une chance de fonctionner. Donc on cherche à écrire des algorithmes qui permettent de choisir les bonnes choses à tester pour avoir le maximum de chances de trouver le bon comportement. On n'a pas essayé de copier la manière dont les neurones fonctionnent ou la manière précise dans laquelle un animal s'en sortirait dans cette situation. D'abord parce qu'on ne le sait pas très bien, donc ce serait très difficile à faire. Et ensuite parce que notre but reste de faire en sorte que les robots fonctionnent. Donc on cherche une technologie qui soit au niveau d'abstraction, qui permet aux robots de fonctionner efficacement. Donc ici, ce robot, dans cette expérience, a une patte qui est cassée. Et donc à cause de ça, tout ce qu'il teste au début, ce que le robot teste au début, fonctionne très mal. Alors certains comportements vont quand même dans le bon sens.
Et certains comportements sont plus ou moins inattendus. Par exemple, ici, il glisse. Parce que dans ses a priori, avec ses six pattes, le sol glisse moins. Mais ici, il essaie quand même d'atteindre la flèche jaune qui est son objectif. Donc on le voit tester différentes choses. On voit aussi qu'il marche de manière différente à chaque fois. Donc il essaye des idées différentes régulièrement. Et il se rapproche progressivement de l'objectif. On voit qu'ici, par exemple, il voulait aller vers la droite. Et que finalement, le comportement l'a amené un peu plus vers la gauche parce qu'avec la patte cassée, ça ne fonctionnait pas. Donc là, il atteint son objectif. Maintenant, la suite est de pouvoir revenir à son point de départ. Et on voit qu'il a découvert des manières assez efficaces de se déplacer où le robot glisse un petit peu moins. Donc, il n'a toujours pas compris, par contre, ce qui ne sait pas, c'est quel est le dommage exact. Il n'a aucune notion de ce qui est cassé. Donc, il se concentre sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, un point important pour nous, c'est qu'il essaye des choses qui sont à chaque fois assez différentes. Donc, il ne reste pas coincé dans un seul mouvement stéréotypé, mais ce qui ne marche pas, il essaye du coup des choses assez différentes. Par exemple, ici, il fait un grand mouvement, ce qui lui permet d'essayer quelque chose très différent de ce mouvement qu'il faisait juste avant, où il était en train de glisser sur le sol. On voit ici encore une marche complètement différente, beaucoup moins dynamique, mais finalement a été assez efficace. Voilà, il a atteint son objectif et il va s'arrêter. C'est une des premières fois où on voit des robots apprendre des choses en peu de temps. Et ça, ça nous ouvre plein de bonnes idées. Voir un robot apprendre en face de nous en quelques minutes, alors, tout de suite, on a envie de lui permettre d'apprendre plus de choses, de tester dans plus de situations, etc. Dans le cadre de ces recherches, on a par exemple été très surpris que le robot a trouvé des mouvements qui étaient plus animaux que ce à quoi on s'attendait. Notamment, on voit le robot sauter un petit peu en avant dans pas mal d'adaptations. Et c'est quelque chose qu'on voit rarement en robotique parce que quand le robot saute, il n'est plus en équilibre. Et ça rend les choses très difficiles à contrôler. Mais comme le robot se concentrait juste pour trouver ce qui marche et ce qui ne marche pas, paraissait erreur. Finalement, il n'avait pas ce genre de contraintes et il a trouvé des mouvements qui sont plus animaux que ce qu'on a l'habitude de voir sur nos robots. On a même été surpris qu'on ne pensait pas nos moteurs capables de faire bouger le robot de manière aussi naturelle. Donc avant, on a créé nous-mêmes des comportements sur ce même robot qui sont très robotiques, très saccadés. Et le fait d'utiliser un mécanisme d'adaptation basé sur l'apprentissage et l'essai erreur a permis finalement d'obtenir quelque chose qui visuellement correspond beaucoup plus à ce qu'on envisage d'un robot et qui ressemble beaucoup plus à un animal. Donc de ce point de vue-là, visuellement, c'est satisfaisant parce que finalement, l'apprentissage par essai-erreur permet de s'approcher des animaux aussi en comportement, ce qui n'était pas notre but initial. On ne s'attendait pas à avoir des mouvements finalement aussi naturels sur un robot. Donc pendant longtemps, l'intelligence artificielle s'est inspirée du raisonnement humain comme les humains le comprennent, c'est-à-dire par la voie de l'introspection et finalement en s'inspirant d'un raisonnement logique. Donc ça a donné, par exemple, les premiers programmes pour jouer aux échecs. On connaît l'ensemble de l'environnement, donc on connaît le jeu, on connaît les règles, et par déduction logique, on arrive à trouver quel coup on doit jouer ensuite. C'est une approche qui a donné beaucoup de très bonnes choses, mais qui finalement a très mal marché sur des robots, parce que vivre dans le monde réel est finalement très différent d'un jeu d'échecs. Ce qu'on fait avec nos algorithmes d'apprentissage cherche finalement à approcher le problème comme vraiment un problème d'adaptation où le robot peut essayer sans avoir besoin de comprendre. Et je pense que les animaux utilisent énormément ça, je pense que nous, humains aussi, et que notre vision basée sur cette vision logique mène à beaucoup de choses intéressantes, mais n'est pas la seule. Une partie de la communauté scientifique s'intéresse plus à tirer inspiration directement des animaux et peut-être réussir à aller directement à ressembler aux animaux. Une autre partie pense qu'à partir de principes fondamentaux, mathématiques, en s'améliorant, on va finalement arriver au même résultat, mais par l'autre côté. Donc en arrivant, en partant de la théorie, en ayant des mouvements optimaux, on trouvera peut-être des robots aussi agiles que des animaux. Et c'est deux communautés qui abordent la même question sous deux angles différents. Nous, on est un petit peu entre les deux, donc on s'inspire à la fois des mécanismes qui viennent du vivant, mais pas nécessairement du mouvement qui vient du vivant. Donc si on veut faire fonctionner nos travaux sur un humanoïde, on a plusieurs défis supplémentaires. Le premier, c'est l'équilibre.
Donc, l'humanoïde ne peut pas tester autant de choses qu'un hexapode, parce que dès qu'il teste quelque chose, il a de bonnes chances de tomber. Et de tomber, il risque de se faire encore plus mal, de se casser, etc. Donc là-dessus, on a une manière de s'en sortir, qui est de continuer à marcher, mais à quatre pattes. Donc il est clair que le grand public et les scientifiques ont une vision très différente quand ils observent un robot. Ils ne voient pas du tout la même chose. Donc dans le cas de notre robot avec sa patte cassée, tout le monde projette quelque chose sur le robot et se sent mal pour ce pauvre robot abîmé, alors que nous, on sait très bien qu'évidemment, il ne sent rien du tout, qu'il ne s'en rend même pas compte qu'il ait une patte cassée, d'une certaine manière. Il se rend juste compte que sa performance est inférieure. On observe le même genre de choses, probablement exacerbé avec les robots humanoïdes, où là, tout de suite, on projette une vision humaine sur cette forme humanoïde, ce qui change complètement nos attentes par rapport au robot. Qu'on attend d'un humanoïde qui réagisse comme un humain, par exemple. On attend d'un robot avec une forme animale qui réagisse comme un animal. Et on attend beaucoup moins d'un robot qui ne ressemble pas du tout à un animal. C'est-à-dire que nous, en tant que scientifiques, on voit ce qu'il y a derrière et on ne voit pas tellement cet aspect empathique, cette capacité à projeter. En tout cas, on projette assez peu de choses sur le robot, vu qu'on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, ça peut être dangereux pour nous, scientifiques, parce que finalement, les attentes de la société par rapport à ces robots sont souvent démesurées. Donc par exemple, si on prend le cas assez simple d'un robot humanoïde, on sait construire un robot avec deux pattes, deux bras, une tête, mais absolument pas un robot qui a l'intelligence ou l'agilité d'un humain. Mais comme il a une forme d'humain, on a envie de lui donner ces capacités-là, parce que finalement, on ne connaît pas d'autres formes de vie qui ressemblent autant à un humain et qui n'ont pas ces capacités d'agilité ou d'intelligence. Donc c'est finalement quelque chose qui nous fait plutôt du mal en tant que scientifique que du bien. La société en général va attendre beaucoup de ces robots, beaucoup plus que ce qu'ils sont capables de donner, en raison de leur forme qui ressemble trop aux vivants. Alors qu'on est très très loin de savoir faire quelque chose d'aussi performant, élégant que le vivant.